Hey yo les gens, c'est DragSurvie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui on va parler des bugs qui sont en train de tourner un peu sur Fortnite. Et moi je veux dire clairement et tout simplement, pour des bugs sur Fortnite où maintenant on est quand même en saison 3, chapitre 3, eh ben le développeur c'est qu'une merde. Je suis désolé de le dire, mais d'avoir des bugs comme ça, alors il y a apparemment... Alors bien sûr on va aller en partie ou quoi que ce soit. On va voir si ça marche ou pas, s'il y a certains bugs ou quoi que ce soit. Mais apparemment, il y en a certains qui diraient que c'est à cause d'Air Mirror. Parce que vous le savez, il y a eu un défi qui est arrivé et que c'est chercher le joueur le plus beau. Le plus beau ou le plus cool. Et en fait, il faut aller regarder les miroirs. Et en fait, faut juste regarder les miroirs. Alors bon, il y en a qui disent qu'il faut viser, il y en a qui faut... Moi, je suis passé devant un miroir, ça a marché. Le souci, c'est que apparemment, comme vous l'avez vu pour beaucoup, je pense, les stuff, quand on ouvre un coffre, le coffre, le stuff, il disparaît. Soit il disparaît, soit il se téléporte un peu plus loin, ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très très chiant. Parce que clairement, pour un jeu où, maintenant, il date depuis un petit moment qu'il est sorti, je pense qu'il devrait pas y avoir de bugs comme ça, parce que clairement, Fortnite, il y a toujours eu des bugs ou des trucs comme ça, des pertes de connexion ou des trucs comme ça. Mais là, je crois même que c'est le pire des bugs, parce que vous imaginez, vous arrivez dans un fight, vous avez pas de stuff ou quoi que ce soit, alors surtout en début de game, il y en a toujours un ou deux qui essayent de vous piocher ou de faire autre chose ou quoi que ce soit. Et ça gâche un peu la partie, quoi, parce que c'est vrai que le stuff disparaît ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours chiant. Donc je vais vous mettre Fortnite. Alors je vais essayer. Alors apparemment Tilted c'est ce qui est le plus touché au niveau de ce bug là. Donc apparemment n'y allez pas. Il y a pas mal de personnes. Donc partie 1 Fortnite. Donc n'y allez pas, n'allez pas sur Tilted. Moi, de toute façon, j'y allais rarement, à part pour les défis. Mais là, vu que le défi, par exemple, pour choisir les bâtiments ou les trucs comme ça, il y en a un peu tout partout, donc c'est pas trop dérangeant. Je vais pas tout le temps à Tilted, je vais pas souvent à Tilted. Donc voilà. Donc on va partir. Donc moi, j'aime bien les Sweepy Sand. Sweepy Sand, après Condor Cardon et Greasy Groove. Alors l'époque de Greasy Groove, hein, j'y allais souvent. Ou des fois j'aime bien aller sur les petites îles, ça change un peu, ça change du panorama d'une ville. Donc voilà. Donc, alors j'ai du défi, forcer des adversaires à danser avec des boules. Des bombes, alors bon, moi je les appelle les bombes disco, parce que bon, c'est plus rapide, c'est plus simple. Alors, moi au début, je pensais que c'était que des joueurs, et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire danser les bots. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai fait danser un bot juste ici, assez rapidement. Donc si vous tombez sur un bot et vous avez pas encore fait vos défis boule disco, vous pouvez directement les faire sur les bots. Ils vous attaqueront pas. Alors bien sûr, si vous le faites sur Vador, là ça sera peut-être un petit peu difficile. Je sais même pas si Vador il a une... Si on peut vraiment le faire danser, ça serait marrant de faire danser Vador sur Fortnite et infliger des dégâts avec un véhicule dans les 5 secondes après avoir klaxonné. Bon, ça c'est assez simple. Bon, même si, faut quand même avoir un véhicule et pouvoir trouver un joueur au moment voulu. Donc, voilà. Donc, on va aller là-haut. À part si, bien sûr, on n'a pas le choix, faudra aller dans une autre zone. Mais j'aime bien aller dans ces deux zones-là. Donc, voilà. Donc, aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fera toujours plaisir. Surtout, laissez un petit commentaire. J'ai vu que pas mal de monde s'était abonné il y a peu de temps. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire voilà, je me suis abonné ou quoi que ce soit.
ça mange pas de pain, c'est gratuit et en plus de ça, bah, ça fait plaisir aux personnes. Et puis voilà quoi. Donc cette semaine, vous aurez deux vidéos, donc cette vidéo là sur Fortnite et une vidéo sur sur une vidéo surprise. On va dire que c'est une vidéo surprise. Je sais pas s'il y en a vraiment qu'on en fait sur ce jeu là, mais j'ai envie de tenter le coup. J'ai pas encore lancé le jeu, donc je lancerai le jeu en même temps que je vous ferai une game, clairement. Donc moi je suis toujours avec mon chevalier noir. Je l'aime bien en plus, donc c'est plutôt sympa. Il y en a qui se font dans l'eau, c'est marrant ça. On est combien? 96. C'est marrant ça. Attendez. Ah bah oui, il y en a qui sont partis en vacances. Bon bah j'espère que ceux qui sont en vacances, vous passerez de bonnes vacances. Et pour ceux qui bossent, bossez bien. Alors je voulais vous faire du Forza avec le Forza Hot Wheels, qui est l'édition Hot Wheels qui est sortie il y a un petit moment de ça. Alors je sais qu'il y a Mafia Stunting qu'on a fait et tout ça. Moi je voulais vous faire des courses, mais des courses de joueurs. Et le truc c'est qu'en fait moi je sais pas pourquoi l'Overmedia ne veut pas prendre en condition les trucs, donc je serais obligé de faire autrement. C'est quand même chiant ces bugs là, d'aller chercher un truc où faut courir pour récupérer. Moi je dis quand même les développeurs là, zéro. C'est déjà arrivé qu'il y ait des bugs, il y en aura toujours, mais là c'est vrai que là c'est quand même flagrant, c'est quand même bien dégueulasse et c'est quand même pas normal pour un jeu maintenant qui a quand même un petit moment de sortie avec pas mal de mises à jour, pas mal de machins, et ils arrivent toujours pas à faire que le jeu soit le moins possible buggé. Donc moi je trouve ça pas normal. On va me dire ouais mais c'est tout à fait normal parce que machin. Non c'est pas normal, je suis désolé. Le jeu a quand même maintenant un petit moment, il est sorti. Voilà. Encore on me dirait bon. Ça serait signalé, ça serait machiné, ça serait machin. Sauf que Fortnite ne font rien, ils font pas. Là, ils sont partis en vacances, donc on va se retrouver avec des bugs jusqu'à qu'ils reviennent. Jusqu'à que la saison, en fait, jusqu'à que le truc soit fini, en fait, si on regarde bien. Donc voilà quoi. Donc.
Taper dans le mur. Il y a peut-être un coffre là. Voilà. Il est passé où? La plupart du temps, on le retrouvera jamais. Peut-être bouger de là, moi, tiens. Il y a la zone qui arrive. Calmos. C'est quand même très utile. Wow, non mais attends. Fermer la porte. Pourquoi t'as pas fermé la porte? Quelle botte
Je peux finir mes défis, ça serait pas mal. En vidéo, finir les défis. Oui. À part s'il est mort. Oula. C'est passé quoi là, la station? Ouais. Ok. Ah bah. Ah. Plus de bot. Merde. Là, si, qu'on a un canon. À part si j'ai une chance de couillon et puis j'arrive à le lancer sur un joueur, mais. Là, c'est moins 10, ça, par contre. Alors moi je vais vous parler un peu des passes de combat. Je voulais vous en parler parce que c'est une des choses qui m'a remarqué, qui est remarquable, c'est que vous vous rappelez de la saison 2, avant que Midas arrive, c'était le camp là, c'était là on pouvait se battre sans crier gare. Et Midas est arrivé, donc la première saison, voilà, on a eu Midas, tout ça, machin. On a eu le problème de Midas, donc on a eu, comme vous le savez, donc l'explosion. Je vais faire mon défi. Dans le buisson. Quoi faire? Faut camper. J'irai pas le chercher parce que les campeurs du dimanche, c'est pas ça. Disparitus. où est mon arme bleue? Non, je l'ai fait tomber. Oh, le con. J'ai échangé l'arme sans le vouloir. Bon, bah tant pis. Ça m'apprendra. Ça arrive à tout le monde de se tromper ou d'oublier. Ah.
Mais non. Largement. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Bon, moi j'ai fini mes défis. C'est plutôt cool. Je sais pas combien j'ai fait top par contre. J'ai pas dû faire un gros top. Top 10 ou top 11, un truc comme ça. Pas combien j'ai fait top, attendez, on va aller voir ça. Rediffusion. Rediffusion, allez, charge. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 3 éliminations et j'ai fait top 5. Ok, bon, ça va, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout, même. Ça va, je tourne quand même pas mal, hein. 2 kills, 6 kills, 3 kills, 1 kill. Bon, quand je fais 1 kill, c'est que la game va pas être longue. Ou je fais top 2 ou top 3, mais là top 35. Oh putain. Ouais. Et ben voilà. Donc voilà, bah, pour ceux qui sont... voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, donc ça sera une vidéo surprise. Tout ce que je peux vous dire, ça sera du... De la bande dessinée. Mais ça sera un jeu. Donc voilà. Allez, à plus les gens.